Salut les moteurs poteaux, comment vous allez bien? Alors ouais, il me manque un éclairage, c'est parce qu'il est dans le garage, hein. Donc il y a moins de lumière que d'habitude, vous vous en faites pas. C'est juste que mon éclairage est resté dans le garage parce que je me suis fait un petit setup pour mes vidéos et puis c'est sympa. Alors là, bon bah on est en petit éclairage tamisé, voilà, bah ça le fait aussi, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Bref, hein, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue sur Gran Turismo 7. Aujourd'hui on va faire du karting. Tiens, d'ailleurs, hop, je vais vous le mettre là. Bim, bam, boum. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire du karting sur Tsukuba. J'espère que ça va vous plaire. Et avant de démarrer, j'ai une annonce très, très, très importante à vous faire. Une annonce très, très grave. Voilà, c'est à propos de Shelby. Donc vous voyez juste là. Salut! Ça va toi? Eh ben, Shelby, comment dire? Ben, Shelby, c'est un garçon. Alors, non, elle n'a pas changé de sexe. Hein. Il n'a pas changé de sexe non plus. C'est juste que, ben, on n'avait pas vu les petites coucougnettes, tout simplement. Voilà. Donc, Shelby est un garçon. Alors, on va lui laisser ce nom-là parce que Shelby, c'était aussi le nom des garçons. Hein. Un très grand monsieur, un très grand bonhomme. Voilà, donc ce sera Shelby quand même, hein, il n'y a pas de raison, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, alors, bien entendu, on va faire un petit tour dans le chat. Et on a Papa Schultz, Sable, Sable, je connais pas Sable, Plumette, Patrick Charrier, Séphironin, Patoche26, Pride Plasma qui est un nouvel abonné, je crois. Hein. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Badgon, Ludo, Goudron Accompli, Rastaplay, comment vas-tu? La Propulse, le Cid Normand, Alexis Dubois, Massimo Jolio, Gamer Pro et Marcus31. Oh, sois pas déçu, enfin, sois pas désolé, Massimo, hein. C'est pas bien grave, hein. Ça n'empêche que c'est mon petit chat, et puis voilà. Enfin, celui de ma fille, pour être plus précis, mais elle n'est pas là, elle est en vacances, alors... Salut Miami Shine, j'espère que tu vas bien. Click 997, salut aussi. Merci Frédéric, ouais, et ça va aller toi? Ouais, on me l'a demandé à plusieurs reprises, le kart, donc ça, on en avait fait il y a un petit moment déjà. Et c'est vrai que ça manquait un petit peu. Alors, juste avant de démarrer, je vous rappelle, hein, vite fait, le programme de la semaine. Alors, donc, demain, on sera à Sainte-Croix en Alpha 155 V6 Ti. Donc, j'espère que vous avez tous votre Alpha 155 V6 Ti. Mercredi, on sera ensemble pour une petite expo de livrée, ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Salut Alidini, salut Michel Wagler. Salut Sébastien Vettel. Du rallye bientôt? Non, le rallye sur GT, c'est vraiment tout pourri, quoi. Vraiment. Alors, donc, jeudi, on sera en Corvette C7 Groupe 4 hein, sur Laguna Seca. Samedi prochain, alors, j'avais dit sur la vidéo programme, j'avais dit que samedi et dimanche, ce serait 21h. En fait, ce sera 21h30. Enfin, pour... comment dire? Pour Gran Turismo, ce sera 21h30. Et pour Assetto Corsa, s'il y a lieu le dimanche, ce sera 21h45. L'Alpha 155, c'est une légendaire. Oui, tout à fait. Salut RedRS, salut Punk Zizi, salut The Stig. Il va beaucoup mieux. Il va beaucoup mieux. C'est presque cicatrisé dans son cou. Il n'y a plus qu'à attendre que les poils repoussent maintenant. Voilà. Il faudrait des pistes de flat track sur GT7. Ce serait fun. Ouais, du flat track, ouais. Ce serait rigolo, ouais. Carrément. Carrément, carrément. 39 personnes. Oh, bah dis donc, ouais. Pour un lundi soir au mois de juillet, c'est plutôt pas mal. Alors attends, j'ai. Hop là, voilà. J'ai l'impression d'avoir le micro dans la tronche là.
Je peux pas le faire ce live, mais j'essaye. Ok. Bah quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah pas grand-chose. Allez, si, tiens. Allez, une petite page de pub, vite fait, parce que quand même, faut faire vivre la chaîne. Allez, zou. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Je vous propose de magnifiques sous-bocs en bois gravés avec amour au laser, à l'effigie de à ce que vous voulez. Votre marque de voiture préférée, un logo emblématique de votre jeunesse, une écurie de Formule 1, un logo de circuit, ou même un circuit, ou encore la voiture de vos rêves. Je peux même ajouter à la demande un prénom, vous n'avez qu'à demander. Chaque sous-bock est fait main, unique, verni, et proposé au prix de 6 euros, comptez 4 euros de frais de port. Pour commander, il vous suffit de passer par le lien PayPal en description et d'indiquer en message les motifs à graver. Soyez sage au volant et bon visionnage. Voilà, donc c'était la petite pub. Alors bien entendu, quand je dis 4 euros de frais de port, c'est 4 euros de frais de port pour l'ensemble de la commande. Hein. Si vous commandez 10, vous n'avez pas payé 40 euros de frais de port. Enfin bon, voilà. Ceci étant fait, je repasserai une petite couche de rappel durant le live tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a Papa Chouz qui dit: je débute deuxième jour au T300 RS. S'il y a des erreurs, pardonnez-moi, mais on pardonne toujours, bien entendu. Gamer Pro, oh le petit chat derrière, je ne l'avais pas vu. Mon chat lui dit miaou. En plus, il fout le bordel là. Trop loin de la PS, donc je regarde le live. Je peux pas faire le live, mais j'essaierai d'en faire un autre. Comment rejoindre? Je suis nouveau. Eh bien, tu m'envoies un message sur le PSN, moteur tiré du bas, Seb, je te valide ça et tu auras accès au salon dès que je l'aurai créé. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des demandes? Alors, est-ce qu'il y a des demandes? Et tu commences pas à gigoter dans tous les sens, toi. Hein? Ouais, il y a des demandes. Je sens que il va me saouler toute la soirée. Regarde-moi-le, regarde-le, regarde-le. Là 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 là, je te jure. Salut Sebaway, comment ça va-t-il? Annie, salut. Alexis, salut. Ouais, salut. Je viens de valider toutes les demandes là. Donc, si tu étais dedans, c'est validé. Salut Aurelbam. On va démarrer le. On va démarrer le lobby. Ah. Alors aujourd'hui, ce sera des lobbies d'environ 15 minutes. Hein, donc ce sera. Ouais, même moins que ça, ce sera une dizaine de tours par course. Non, je roule pas, Sephirounin. Oh, non, mais non. Je roule pas, Sephirounin, parce que j'arrive pas à animer le live en roulant. Donc, Alidini, tu peux rouler, bien sûr. S'il y a de la place et puis que tu es dans mes amis, bien entendu que tu peux rouler. Ouais. Est-ce que j'ai vu la vidéo de Francky sur les lobbies? Oui, j'y ai répondu d'ailleurs, en lui disant que bah, moi, ce n'est pas tout à fait la même expérience que j'ai, puisque malgré ma PS4 Slim et ma connexion satellitaire, il est arrivé quand même qu'on ait eu des lobbies stables. C'est arrivé, pas souvent, mais c'est arrivé. Donc c'est difficile de rentrer dans le moule de cette étude, mais il faut quand même saluer le boulot de ceux qui l'ont fait. Et j'espère que Polyphonie a mené l'enquête. De son côté, ce serait quand même un minimum. Comment savoir à l'avance les track days avec le programme? Eh bien, j'ai publié une vidéo avec le programme pas plus tard qu'hier. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire, Alexis. Allez, Zou, on attaque. Le lobby, donc on va sur Tsukuba pour rappel. Et comme à l'accoutumée, vous attendez mon signal pour rentrer sur le lobby. Allez, donc Tsukuba, hop. Nombre de tours, on va mettre 10 tours. C'est largement suffisant pour faire des courses machine. Type de départ, remplacement au départ, oui. De toute façon, pour tout le reste, on va être en. Alors, juste délai avant fin de course. 90 secondes et on va se mettre en aspi réaliste.
par contre. Voilà. Et en réduction adhérence hors piste réaliste. Et donc, utilisation de carte. Oui, comme ça, tout le reste, c'est tranquille. Salut Lord Spirit, comment ça va? Pénalité raccourcie. Forte. Pénalité collision voiture, oui. Et pour le reste, c'est tout bon. Donc, je lance le salon. Vous attendez mon signal, bien entendu. Pour rentrer dessus, rassurez-vous, si vous ne rentrez pas tout de suite, il y aura plusieurs courses. Il y aura plusieurs courses. Allez, voyons voir comment ça va se goupiller tout ça. Est-ce qu'on va avoir Adam SNCF aujourd'hui ou pas? Salut Anthony! Salut Ethan, la tomate. Ethan, la tomate. C'est rigolo. Allez, vous pouvez venir, les amis, c'est parti. Lâchez-vous. Faites péter les cartes. Moi, je bois un coup. Hop là. Salut, MacQuest. Salut Anthony, salut Simbatech, comment vas-tu? Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Allez, Séphironin, on a la propulse, on a Rastaplay, on a Gilles, le site Normand, Alidini, Patrico, Sébastien Vettel, Benoît Giello, Simbatech, Plumette 21. MacQuest, Gwenadur et Sable. Alors, il reste une place encore. Hein, c'est allé très très vite. Ah, oh, mais t'excuses pas, Lord Spirit. On a tous nos impératifs. Hein, il n'y a pas de souci. Hein, t'inquiète. T'inquiète. Faut pas s'excuser de pas pouvoir venir ou quoi au caisse. Hein. Ça va, Ludo. Je sais plus si je t'ai salué ou pas. Allez, on va aller voir tout ce qui se passe en piste. Il y a déjà pas mal de monde. Oh là, je vais baisser le son. Voilà. On va bien entendu afficher les infos de course. Voilà. Et on va lancer la course à 21h25. Donc dans 11 minutes, vous avez 11 minutes de qualif. Ce qui vous laisse un petit peu de temps. Allez, j'espère que vous avez fait des belles petites livrées. Allez, on a. Donc, je vais prendre la. On va dégainer la manette, tiens. Alors, on a Rastaplay qui est là, donc. On a Gilles également qui est là, en livrée Red Bull. Ah non, en livrée Mario. Forcément. Salut Néo! Alors on roule toujours propre, hein. Par contre avec le lag c'est pas forcément évident tout le temps. Hein, par exemple on voit Patrico qui lag un tout petit peu. Oh Sangoku. Le Cid Normand. Tout double vêtu. Ça a l'air d'aller plutôt pas trop mal pour l'instant au niveau lag, de ce que j'ai vu. Ça a l'air plutôt propre. Sephironin, suivi par Sable. Ça lag un petit peu du côté de Sephironin. J'aime bien parce que c'est le sujet maintenant, c'est l'inquiétude principale.
C'est le lag, c'est même plus est-ce que la course va pouvoir démarrer, c'est est-ce que ça va laguer. Allez, allez Dini. Gwenadurededeg qui lag aussi. Donc Sable, bah Sable ça va finalement. Tranquille. Avec une jolie petite livrée Red Bull. MacQuest. En Red Bull aussi? Ils sont tous en Red Bull, ma parole. Vu que les courses se lancent presque toujours, oui, c'est plus savoir si ça va laguer. Oui, bah ouais, forcément. Ouais. Mais là, ça a l'air quand même relativement propre. Puis bon, bah après, il faut dire ce qui est, hein. Vu la largeur de la piste pour des cartes, ça devrait aller. Et Simbatec, donc, qui ferme la marche pour l'instant. Et c'est la Propulse, hein, qui a le meilleur tour pour le moment. Ouais, ça donne des ailes Red Bull, ouais, c'est clair. Allez, en deuxième place pour l'instant, Benoît Giello. Alors qu'il reste 7 minutes de qualif, hein. Ah bah détrompe-toi Hyperion, détrompe-toi. On a fait du drag sur le Special Stage Route X pas plus tard que la semaine dernière. Et ça a été assez catastrophique. Tu aimais bien la dame SNCF? Eh bah tiens, regarde. Bonjour les moteurs poteaux. Bienvenue sur ce nouveau track day. Il est rappelé à tous que nous sommes là pour rouler dans la bonne humeur et que cette course n'a aucun enjeu. Néanmoins, tâchez quand même de rouler proprement et de ne pas pourrir la session de vos petits camarades. Sur ce, bonne course à tous. Voilà. Dame SNCF est toujours là. Allez, donc Benoît Giello qui a perdu la deuxième place au profit de Séphir Ronin pour 43 millièmes. En quatrième place pour l'instant, on a le Cid Normand. En 59-930. Rastaplay qui est en cinquième position pour le moment. Gilles en sixième place, suivi par Sébastien Vettel. Ah, attends, parce que je vais, hop, lui couper le sifflet à lui. Tac, tac. Ah, j'ai un message urgent, je voudrais. Voilà. Alors, donc, oui, excusez-moi, il y a des fois comme ça, il faut. Le Stig'Em, la dame SNCF. Ces courses tendent, les pneus, c'est au choix. Au choix, de toute façon, il n'y a pas d'usure de pneus, donc vous faites comme vous voulez. Allez, donc, en P9, on va retrouver Ali Dini, 10e plumette,
qui lag, hein. Au plumette, ça lag. Hein. Wouh ! Yo-yo sur la piste. Guanadur et Dadeg en P11. Qui lag aussi d'ailleurs. Hein. Le Stig est amoureux. Ah, Simbatec laisse sa place. Avec un peu de chance, je dis bien avec un peu de chance, lors de la mise à, après la mise à jour, on pourra acheter des pièces et donc des pneus à partir de l'écran de course. Avec un peu de chance. J'ai vu passer ça. Est-ce que ça va être confirmé ou pas? On saura très bientôt. Voilà. On est d'accord qu'on ne peut pas modifier les cartes. Effectivement, on ne peut pas modifier les cartes. Non, mais me parle pas de Charles parce que ça me fâchait, là. Ça me fâchait. C'est pas possible d'être... Remarque, je suis un peu le même style de pilote, quoi. Tu sais, j'ai tout entre les mains pour gagner et puis il faut que je fasse une boulette, quoi. Donc, ouais, franchement, c'est lourd. Oui, tout le monde est en sport tendre, hein, j'ai bien l'impression. Hein. Ouais, tout le monde est en sport tendre de toute façon. Donc, je crois qu'on n'a même pas la possibilité de changer les pneus. Je ne suis pas encore sur GT7, mais ça va pas tarder. Merci à toi, c'est pour ton travail. Bah, avec plaisir, Anthony. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Allez, il reste 2 minutes de qualif. On a toujours la propulse. En P1, Rastaplay en P2, Sefirona en P3, Benoît Gielo en P4. Ça risque de donner quelque chose de sympa pendant la course. Hein. Gilles en 5e place, le Cid Normand 6e, Patrico 7e, Sébastien Vettel qui... Ouais, il s'est arrêté boire un coup. Ah, il a envie de pisser peut-être. Alidini en 9e, Furioso. J'espère qu'il va pas trop laguer Furioso. Ah, il lag toujours moins que Guanadur et Dadeg. Plumette en P11. Alex en P12. MacWest en P13. Guanadu donc en 14. Et Sebel en P15. Ah, il n'y a pas de soucis, Simbatec. Allez, on va suivre la propulse, voir un petit peu comment ça roule. 58-451 pour la propulse, donc. Plutôt un beau chrono. À 3 de front. Oh, le 3 wide. Oh, purée. Joli. Salut Zen44. Allez, on va bientôt pouvoir lancer la course. Je vais sortir de là. On aura la... Non, pas quitter, non, pas quitter. Pas quitter. Tu roules pas ce soir, Ludo. Sinon, n'oubliez pas le pouce, les moteurs poteaux. C'est important. Effectivement, Marcus a tout à fait raison. C'est important pour la chaîne et ça coûte rien. Donc, oubliez pas le petit thumbs up. Salut Lucas, comment vas-tu? Alors, un petit coucou à notre champion aussi, Baptiste Beauvois, qui a fait une boulette. Il a fait une Charles hier lors des Nations Cup. Il avait la course en main et au dernier tour, il s'est sorti bêtement. Enfin, sauf erreur de ma part, malheureusement. Donc, j'ai regardé la course, c'est vraiment dommage parce qu'il avait tout pour gagner. Et donc, bah, au final, il nous fait une 8e place. J'espère qu'il n'est pas trop déçu. Salut Pierre, comment vas-tu? Allez, on lance la course. Et ça marche. Salut Pierre Hôtesse. Non, non, faut plus s'inscrire. J'ai lâché l'affaire pour les inscriptions. Là, c'est... Personne s'inscrit de toute façon. Non, non, il n'y a pas d'inscription. Donc, tu peux venir tout de suite après la fin de cette course. Il n'y a aucun problème, Pierre.
Allez. Donc on a La Propulse, Rastaplay, Séphironin, Benoît Giello, TRC Gilles, le Sylvain Patrico et Sébastien Vettel pour les 8 premiers. C'est parti. Rastaplay qui est à l'intérieur. La Propulse qui prend un très très bon départ. C'est propre pour le moment, c'est propre. Le premier virage se passe sans encombre pour tout le monde. Ah, il y en a un qui fait cirer les pneus derrière. La Propulse qui a conservé la première place, suivi à 3 dixièmes par Rastaplay. Séphironin qui a gardé sa troisième place également. Benoît Giello qui a perdu sa P4 au profit de Gilles. Et suivi par Sébastien Vettel, le Cid Normand et Alidini. Comment se porte Shelby? Eh bien, écoute, comme je le disais, Shelby, il s'est passé quelque chose de grave. C'est un garçon. Voilà. Shelby est un garçon. Et non pas une fille. Donc c'est pas grave, hein. C'est toujours la mascotte de la chaîne, hein. Mais non, ça va très très bien. Et son cou se porte nettement mieux, c'est en train de cicatriser, il n'y a pas de problème. Oh là là, le petit travers de Rastaplay qui arrive à prendre la première place. Un très beau déplacement par l'intérieur. Quel dommage qu'on puisse pas faire d'instant triplé là sur Gran Turismo 7 alors qu'on avait l'option sur Gran Turismo Sport, c'est quand même incroyable. Est-ce que je peux augmenter le son du jeu? Bien sûr. Pourquoi j'ai pas de son du jeu d'ailleurs? Alors, attends. Parce que là, il y a un souci, sortie audio. Ah bah oui. Désolé. Je sais pas ce qui s'est passé encore, ça me saoule. Couper les coupignettes, bah oui. Allez, donc la Propulse qui est toujours à la poursuite de Rastaplay. On va aller voir un petit peu ce qui se passe derrière avec Séphironin. Séphironin en P3, 2 secondes 8 derrière la Propulse. Non, Shelby n'est plus une Ford, c'est un Ford. Gilles en P4 à 1 seconde 3 derrière Séphironin. Ah, j'avais pas vu que mon vumette il était à 0. Je sais pas ce qui s'est passé, j'avais perdu ma sortie audio. Là c'est OBS en ce moment, il me fait des coups de Trafalgar là, ça me saoule un peu quoi. Salut Laurent. Et donc ensuite on a Benoît Giello à la lutte avec Aydini. Aydini qui passe en P5. Oh, et derrière on a le Cid Normand qui est passé également. Sébastien Vettel est passé aussi. Benoît Giello dans l'herbe. Allez, Patrico. J'espère que le son du jeu est pas trop fort maintenant. Vous m'entendez bien. Je vais baisser un petit peu, je pense. Tac, voilà. Ok, peut-être pas trop. Patrico, donc en P9. Ah, bonsoir de la BAM. Eh bien, bonsoir la BAM. Sebel en P10. Suivi de près par Alex et Furioso. C'est quelle gomme pour ce soir? C'est Sportand. On peut mettre que ça sur le kart. Plumet 27 en 13e position, à 6 secondes presque de Furioso. Derrière, on a Guanadur et Dadeg. Et McQuest qui ferme la marche. Non, on peut. Il y a un peu fort le son du jeu. D'accord. Ok. Alors, on va même faire ça. Tiens, voilà. Tac, voilà. Ouais, donc il n'y a qu'une seule montre de pneus disponible pour le kart, donc tu peux pas te tromper. Il n'y a que du sport tendre. Enfin, je crois. Hein. Allez, donc Rastaplay en P1, 1 seconde 8 d'avance sur la Propulse.
Et la propulse 2 secondes 3 sur Séphir Ronin. Plus trop de bagarre, c'est la propulse qui part dans l'herbe. Séphir Ronin toujours en P3. Plus beaucoup de bagarre. Hein. Tout le monde s'est bien écarté là. Encore 3 tours et demi. 4 tours même. Allez, Gilles. Une seconde d'avance sur le Cid Normand. Oh, derrière, ça se bagarre un petit peu entre Sébastien Vettel et Ali Dini. On va rester un petit peu sur ces deux-là. Salut Warocaf, comment vas-tu? Allez, Ali Dini, Sébastien Vettel toujours. La lutte pour la P6. Non, non, on peut pas switcher les pneus sur le kart, hein, je crois pas. Et Ali Dini qui passe à l'intérieur. Qui récupère donc la P6, il est bien placé pour l'épingle. Et voilà Ali Dini donc qui conserve la P6 et qui revient sur qui va revenir sur le Cid Normand. On peut venir avec une lame sous le kart pour faire la pelouse. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, à propos de la pelouse, justement, on va en parler demain, dans la vidéo de demain matin. On va parler de pelouse. Parce qu'il n'y a pas que Sophie qui tond la pelouse, figurez-vous. Et ouais, ça fait longtemps, Warocaf. Allez, Sébastien Vettel. Qui se laisse pas abattre, il a pas dit son dernier mot. Va essayer de passer. Ça se bagarre toujours pour la P6. Oh, quelle belle passe d'armes, magnifique entre Ali Dini et Sébastien Vettel. Tout dans la propreté. Des croisés à gogo, en veux-tu en voilà. Magnifique. Alors on va essayer de se mettre en vue embarquée. Ça marche toujours pas. C'est quand même incroyable. On va essayer ça. Tac, tac. Non, rien à faire. Plus moyen de changer de caméra. Ça marche une fois sur 1000. Yo mon Francky, comment vas-tu? La pêche! Ça fait plaisir de te voir, dis donc. The Stick, t'imagines si Julien Febro devait réclamer l'instant triplé à l'arrière à chaque incident? Ah ouais, bah ouais, mais bon. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire des instants triplé. J'imagine que Francky aussi, il aimerait bien pouvoir faire des instants triplé. Qu'est-ce que t'en penses, Francky? J'ai vu la vidéo Hamilton versus Sophie. J'ai coupé partout où elle a coupé. J'ai au total 20 secondes de pénal. Ah, bien joué, Lucas. Oh, magnifique. GT7 va faire un film, c'est une blague. Ouais, franchement, j'en attends pas beaucoup. Oh, et derrière, on a Sébastien Vettel qui s'est fait sortir de la piste. Bon, c'est un fait de course, bien entendu, mais... Oui, j'ai vu la vidéo de Francky à propos des lags et j'ai commenté, d'ailleurs, j'ai répondu. Attends, je vais juste faire un petit truc. Ah, bah oui, c'est mieux, là, comme ça, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Salut, Monster Gaming! Allez, on revient sur Rastaplay qui va bientôt passer la ligne d'arrivée avec moins d'une seconde maintenant d'avance sur la propulse. Attention, pas se prendre une pénalité maintenant, ce serait bête. Oh bah, figure-toi ici qu'il fait bon, hein, mon Francky. Viens en Bretagne si tu veux du frais. C'est supportable. Allez, dernière ligne droite pour Rastaplay. Dernier virage et c'est la victoire pour Rastaplay, suivi de près par la propulse.
Et Sefironin qui va également monter sur le podium. Derrière, on va retrouver Gilles. Salut, Jus. Bienvenue. Donc, Gilles qui prend la P4, hein, suivi par le Cid Normand. Ali Dini, Sébastien Vettel, Benoît Giello. Très, très serré l'arrivée. Et donc, derrière, Patrico Sebel, Furioso Alex, Plumet 27, MacWest et Gwenadu Redadeg. Donc Sophie n'a pas battu Hamilton vu que les pénas étaient désactivés au moment du test. Ah bah oui. Évidemment, non mais là c'est ridicule d'avoir montré une vidéo pareille. C'est juste incroyable, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas présenter quelque chose comme ça. C'est honteux. Tiens, d'ailleurs, voilà, même lui il le dit. C'est honteux. Mais ouais, c'est honteux. L'analyse a été menée par une team. Oui, tout à fait, tout à fait. Même si tout le monde n'est pas d'accord, elle a le mérite des éditeurs. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est que, effectivement, c'est quand même bien d'avoir essayé de faire cette étude. Et, enfin, voilà. Mais l'idéal, ce serait que ce soit Polyphonie qui le fasse, quoi. C'est quand même leur boulot à eux. Enfin, je dis ça... Alors, tu feras un roulement que je puisse rejoindre avec d'autres. Bien sûr, hein, d'ailleurs, là, tout le monde va sortir pour pouvoir laisser rentrer les autres. Alors, les autres, vous attendez avant de rentrer. Hein, vous attendez que le salon soit vide. Et je vous donnerai le signal, d'ailleurs, pour rentrer. Mais donc, les amis, je vous invite à quitter la piste et laisser la place, donc, pour les nouveaux membres. Le Cid Normand, désolé pour celui que j'ai sorti. C'était Sébastien Vettel, je crois. Et les gars, on valide la vidéo, bah oui. Salut Gary. Allez. Je vais demander donc à Gwenadu et à Lidini de... Bah voilà, ça y est, c'est fait. Donc vous pouvez venir les amis. Ce geek diabétique qui a anticipé, c'est pas bien grave. Clairement, c'est pas nous de faire leur taf et P2P sur GT7, c'est fou. Bah ouais, carrément. Carrément. Bah là, je suis en train de tester. Allez, je vous spoil un petit peu. Dans les vidéos à venir cette semaine, il y aura du Grid Legends. Il y aura du Grid Legends parce que j'ai eu le jeu gratos, alors donc. Je me suis dit, je vais le tester, hein, 100 ans après tout le monde. Mais bah, j'avoue que plutôt pas mal, plutôt pas mal. Nettement plus excitant que Gran Turismo, en tout cas. Salut, même pas peur. Allez, les amis, donc on a Simba, Pierre, Matteo Carsdro, Sgeg Diabétique, Dada. Faites-vous plaisir, les amis, il y a de la place. Alors, ceux qui n'ont pas roulé, attendez un petit peu, hein, quand même. Hein. Enfin, ceux qui ont déjà roulé, je veux dire, attendez un petit peu. Ouais, mais voilà, en fait, le Cid Normand, c'est... On se prend pas la tête. Si ça sort, ça sort, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire une perf ou pour gagner. On est là pour rouler ensemble et pour s'amuser, donc... C'est pas grave. Pour info, je pensais que les délits étaient épargnés par les lags. Que nenni, gros lag cet après-midi. Ah bon? Ah bon? Gary arrive, ok. Steph, salut! Quel jeu j'ai dit? Grid Legends. Donc, il était gratos pour le... l'Amazon Prime Day. Parmi d'autres jeux, donc il y avait ça, il y avait Need for Speed Heat aussi que j'ai pris. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais ouais, Grid Legends, c'est commencé, et puis bon, c'est pas mal. C'est sympa, c'est... Voilà. Comme je disais, c'est beaucoup plus excitant que Gran Turismo.
C'était pour montrer le potentiel de Sophie, je pense, évidemment, qu'ils vont nous coller une IA de ce niveau pour finir derrière à chaque fois. C'est pas évident de te lire, hein, mon cher The Stig. Hein. C'est pas évident de te lire. D'ailleurs, dans les commentaires, c'est pareil. Hein. Si tu peux faire un tout petit effort, ce serait bien. C'est des fois, qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? C'est dommage parce que tu fais des pavés en plus, alors. Ça fait plaisir un peu de fair play, c'est cool. Ouais, grosso modo, dans l'ensemble, quand même, ça roule propre. Allez, on attaque la course à 21h50. Il reste donc 8 minutes de qualif. S'il n'y a plus de nouveaux joueurs, c'est que ceux qui ont déjà roulé, qui veulent rerouler, peuvent revenir. Salut, Div Div! Et deux pilotes toujours les mêmes pendant la course. D'accord. Ouais, mais là, c'est parce qu'ils avaient vraiment une connexion de merde aussi, peut-être. Alors, mise à jour, c'est quand ils veulent. À mon avis, ce sera pour mercredi ou jeudi. Parce qu'on n'a pas de... on n'a pas de notification. Donc, je pense que ça va être pour mercredi ou jeudi. Salut Dadeus! Néo, j'ai eu des lags aussi en délicé cet après-midi. Ah ouais, bah dis donc. Ouais, la propulse, vous pouvez revenir. Hein. Vous pouvez revenir, il y a de la place. Il n'y a plus de nouveaux pilotes là. En même temps, c'est les vacances. Donc, avec un Simba qui va tendre la pelouse. Prochaine mise à jour, trois voitures et pas plus. Alors, on ne sait pas. Il y a trois voitures, mais il y aura peut-être un circuit. Et surtout, il y aura peut-être une mise à jour des lobbies. Enfin, j'espère. On aura peut-être aussi la possibilité enfin d'acheter des pièces depuis l'écran de course. J'ai vu passer ça. Est-ce que ça va être vérifié ou pas? J'étais ça réveille-toi, il y a un milliard de trucs à réparer. Ouais, ouais c'est clair, oui. Ça roule propre ici, si on fait pas attention à ceux qui font fumer les pneus partout sur la rampe. Salut mon petit Rafale, comment ça va? Ah Francky, fais gaffe, hein. On a déjà eu des mises à jour majeures le lundi, hein. Rappelle-toi. Shelby, il pionce. Il roupille, Shelby. Allez, donc pour l'instant, on a Matteo Carsero en P1, suivi par Simbatech à 154 millième. Sgeg diabétique, j'adore ce pseudo. Oh, The Stig, je demande pas non plus que tu sortes le Becherel à chaque mot, hein. Juste un petit minimum quoi. C'est plus confortable quand même pour nous à lire parce que des fois je te jure que j'ai du mal à déchiffrer. La vente de voiture, on va l'avoir à la fin de vie du jeu. Ouais, sans doute, ouais. C'est même pas dit qu'on l'ait. Hein. Allez, donc Pierre Béarn en P5. Joli livret, Pierre Béarn. Joli livret. D'ailleurs, là, si tu veux troller le jeu, tu fais une livrée F1-22, tu fais une livrée Dirt Rally 2, tu fais une livrée Grid Legends, tu fais une livrée iRacing, tu fais une livrée Assetto Corsa, tu fais une livrée Assetto Corsa Competizione, une livrée RF2, une livrée Race Room, une livrée Project Cars, une livrée Automobilista, et je crois qu'on a à peu près tout. Ça serait rigolo, ça. Ce serait rigolo. Salut Air Max.
Polyphonie fait rien comme d'habitude, j'ai envie de dire que polyphonie fait rien, quoi. Tout court. Mais ouais, j'ai vu Stray, c'est joli, mais c'est pas vraiment mon style de jeu, quoi. Ça marche, bon courage Francky, peut-être à tout à l'heure alors. Merci d'être venu en tout cas. Oh, Plumette qui s'est mis au tas. Dada qui est en P13 pour le moment. Et Patrico en 14e position. Livrée Forza Motorsport aussi, ouais. Faudrait faire des livrées comme ça pour troller un petit peu Polyphonie. Et faire perdre la voiture avec la livrée Gran Turismo. Allez, la Propulse qui a repris la P1. Suivi par Benoît Giello. Le site normand TRC Gilles Geek Diabétique. Il reste 3 minutes de qualification. Une livrée WRC10, tout à fait. Une livrée Picsou. Ah, tout à l'heure, j'ai encore fait la... Eh, ce jeu, il est vraiment claqué au sol, hein. J'ai fait la course du Mans, parce que j'ai plus une thune. Donc j'ai fait la course du Mans. Bien entendu, il a plu. Et donc, bien entendu, j'ai mis les inters. Et là, figurez-vous que les IA en pneus durs me collaient 4 secondes au tour. Il dit, c'est quoi ce truc complètement pété? Bon, bref, j'ai même pas fini la course, ça m'a tellement saoulé. J'ai quand même eu mon ticket, et le ticket, bah, j'ai eu 5000, quoi. Forcément. Ça me saoule. Comment on fait pour vous rejoindre un jour sur les courses? Eh bien, tu m'envoies une demande d'amis sur le PSN. Moteur-du-bas Seb. Je te valide ça et tu auras accès au salon. Allez, Sid Normand en P3. Ah, on a déjà émis l'idée d'une team Motor Seb. Hein. Il existe une team entre guillemets Motor Poteau qui est plus un label qu'une team, hein, donc le label MTP. Mais j'ai pas le temps de gérer une team en fait. J'ai pas le temps de gérer une team, c'est beaucoup trop de boulot et puis. J'ai bien assez à faire avec mes vidéos, sans vouloir dénigrer l'idée d'une team. Il y a eu des teams qui se sont faits au sein de l'équipe, hein, notamment la TRC, donc l'équipe de Tawa. Il y a l'équipe de Xofias aussi qui est née. Enfin bref, il y en a quelques-unes qui sont apparues comme ça. Et sinon, il y a l'équipe de Francky aussi, la FRK, bien sûr. J'ai pas perdu contre les IA, j'ai abandonné. Voilà. Pourtant, je tournais comme d'habitude. Hein. Mais là, elle a pas compris. Allez, on va lancer la course. Bon, les livrets Motor Seb, il en existe plein hein, déjà. Les livrets Motor Seb, regardez tout ce qu'il y a. Ah bah non, je peux pas. Je peux pas vous les montrer là, je vous les montrerai tout à l'heure. Allez, on lance la course. Bruno Besançon, merci pour ton abonnement et bienvenue parmi nous. Miaou. Tu dis toi? Toi tu dis ronron, toi. Toi tu dis ronron et puis c'est tout. Hein. Allez, on regarde la course, le départ qui va être donné. La Propulse, Benoît Gillos, Gag Diabétique, Le Cid Normand, Matteo Carsdro, Patrico, Sébastien Vettel et Gilles pour les 8 premiers. Salut Rococo. Et c'est parti. Une nouvelle fois, La Propulse qui prend un bon départ. Benoît Gillos qui s'engouffre, qui conserve sa P2. Gag Diabétique qui fait l'extérieur, mais ça reste pas, ça confirme pas.
As-tu du monde pour les prochaines courses sur Assetto? Pas encore, pas encore. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Je pense que je vais les ouvrir très rapidement, histoire que de voir, de prendre la température. Mais en tout cas, sur la dernière, j'ai eu une inscription, donc voilà quoi. Pour rejoindre la TRC, lien Discord sur les descriptions des vidéos de la chaîne Tawar Racing Club. Voilà, le message est passé. Mon chat s'appelle comment? Il s'appelle Shelby et c'est un garçon. On l'a découvert la semaine dernière en fait. Allez, la propulse donc toujours en tête, suivi par Sgeg Diabétique et Banois Giello en lutte. On va rester un petit peu. Est-ce qu'on peut changer de caméra? Non, toujours pas. J'en ai fait une sur la Ferrari 458. Que je n'aime pas du tout. Pas la vidéo. Pas la livrée, hein, la voiture. Bon, le chat a bugué. Non, il dort. Tu fais des trucs de chat, quoi. Je sais que tu n'aimes pas Farm du tout, mais pour le moment, il faut prendre la Red Bull Junior. Ah, à la fin du tour, une vraie balade de 30 minutes. Ouais, bah faut que je l'achète, quoi. Que je l'achète, il me reste plus que 40 000. Le yo-yo, ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, donc Benoît Giello qui a repris la P2 sur Sgeg Diabétique. Sgeg Diabétique à la lutte avec Patrico et Sid Normand pour le gain de la P3. On a trois pilotes en une demi-seconde. Alors pour dimanche prochain sur Assetto Corsa, on sera en TCR. Et on sera sur le circuit de Road America. Donc TCR, il y aura de la 308, il y aura de la 200, il y aura de la Golf GTI, il y aura de la Hyundai i30, il y aura pas mal de choses quoi. Ah, le chat YouTube, non, il a pas bugué, mais il se passe pas grand chose non plus. Il y a pas beaucoup de miaou en ce moment. Ou du chat de YouTube, peut-être que tu parlais. Mais non, il a pas bugué. Bah non. Alors, Anthony Difala, il te dit complet, c'est normal. C'est peut-être parce qu'il est effectivement complet. Allez, Sid Normand, donc en P4. Oh, il se fait un petit peu pousser par Patrico. Derrière, on a Simbatech à la lutte avec Sébastien Vettel. Très serré, alors que derrière on a ce Sgeg Diabétique qui s'est loupé. Simbatech en drift se fait passer par Sébastien Vettel. À Matteo Carsdro en 7ème place à la lutte avec Gilles. Et on a Sgeg Diabétique qui est pas très très loin derrière. Par très très large. C'est agréable à regarder cette course. Il y a de l'action. Un petit peu de lag aussi. Allez, Gilles qui pousse un petit peu. Ça finit par passer, mais c'est pas très académique tout ça. Pierre Béarn en P10. Assez tôt, pas pour moi. Bicos, pas de volant pour le moment. J'attends les prochains DD Pro. Ceux qui ont la chance d'avoir Assetto PC, ne passez pas à côté de la course en GT4 sur Portimao, qui est un très bon circuit. Bah, malheureusement, la course sur GT4 sur Portimao, bah, c'était dimanche. Je la referai bien entendu, mais et là, dans l'immédiat, la prochaine course, c'est Road America en TCR. Allez, Plumette à la lutte avec Alex.
pour le gain de la P11. Ça lag beaucoup pour Plumet. Derrière, on a Sombral et Dada qui ferment la marche. Et Plumet qui se met en travers. Dada qui lag énormément également. Les chats, soit ça dort, soit ça fait rien. Ceci est un communiqué du CCC, le comité contre les chats. Allez, la propulse, toujours en tête. Septième tour. En deuxième position, Benoît Gello. 4 secondes derrière, 4 secondes devant. J'aime beaucoup la livrée de Benoît Gello, elle est très très chouette. Livrée style Ferrari. Le Cid Normand en P3 à la lutte avec Patrico. Bah ouais, Portimao, il y a pas mal de virages qui se referment, etc. Il y a du dénivelé aussi, beaucoup. C'est un très beau circuit. Allez, Patrico, avec Sébastien Vettel. La petite lutte qui va permettre à Gilles, peut-être, de remonter. Est-ce que Sébastien Vettel va réussir à remonter sur Patrico? Putain, ça me saoule, ça. Je peux plus basculer en caméra. Peut-être là, avec ça? Non. Je peux plus basculer les caméras en mode spectateur. C'est quand même fou, ça. Il y en a marre des bugs sur ce jeu, sérieux. Allez, on a un joli petit train là. Allez, Patrico qui passe un petit peu dans l'herbe. Ça va permettre à Sébastien Vettel de revenir au contact. Allez, Sébastien Vettel bien placé ici. On va essayer de se placer à l'intérieur. À l'épingle sans doute. Allez, Sébastien Vettel à l'attaque, ça passe pas. Si. Et c'est passé pour le moment. Et Patrico qui reprend la P4. Sébastien Vettel qui se loupe. Qui perd beaucoup du coup ici. Il perd 4 places d'un coup. Salut Gigi. Ah mais non mais... Ah si vous voulez du défi sur la course du Mans. Ah ouais. Allez, Patrico qui se loupe cette fois-ci. Et c'est à son tour de perdre 4 places d'un coup. Allez, on revient sur la propulse pour son dernier tour. Eric Pobel, bienvenue. Merci pour ton abonnement et bienvenue parmi nous. Allez, la propulse qui va attaquer la ligne droite. Il y a une avance confortable, la propulse, sur Benoît Gello. Et le Cid Normand, donc, en troisième position pour le moment. Et la propulse, donc, qui l'emporte. Deuxième place pour Benoît Gello, le Cid Normand qui prend la troisième place, suivi par Sgeg Diabétique qui a finalement réussi une belle remontée. Gilles en P5, Sébastien Vettel, Patrico, Matteo, Simbatech, Pierre, Alex,
Sombral, Plumette. Alexa, stop. Et enfin, Dada, qui ferme la marche. Bravo à tous. Un petit coup à boire parce que fait soif, hein, mine de rien. Mais ouais, là, c'était une chouette course. Donc, je vous laisse sauvegarder vos replays et quitter la piste. Et puis après, bah, on refera une session, hein, bien entendu. Avant ça, eh bien, je me permets une petite page de réclame. Hein. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Je vous propose de magnifiques sous-bocs en bois gravés avec amour au laser à l'effigie de à ce que vous voulez. Votre marque de voiture préférée, un logo emblématique de votre jeunesse, une écurie de Formule 1, un logo de circuit, ou même un circuit, ou encore la voiture de vos rêves. Je peux même ajouter à la demande un prénom, vous n'avez qu'à demander. Chaque sous-boc est fait main, unique, verni, et proposé au prix de 6€, comptez 4€ de frais de port. Pour commander, il vous suffit de passer par le lien PayPal en description et d'indiquer en message les motifs aggravés. Soyez sage au volant et bon visionnage. Voilà, donc c'était la petite pub, hein, parce qu'il faut bien soutenir quand même la chaîne. Hein. Et puis, pour vous, ça fait un beau souvenir. Vous pouvez revenir, hein, ceux qui veulent revenir. Alors, non, attendez, je dis des bêtises. Ne revenez pas tout de suite. Attendez, ne spammez pas tout de suite la touche croix. Ceux qui n'ont pas roulé, qui veulent rouler, n'hésitez pas à vous connecter maintenant. C'est de la quoi, ma bière? C'est de la Grimm. C'est de la Grimbergen. Vraiment, vivement le swap du kart, le moteur de CDR. Bah ouais, celui qui est dans la Honda. Salut Pride Plasma, et merci d'être passé. Allez, donc la priorité à ceux qui n'ont pas roulé. Hein. S'il y en a qui n'ont pas roulé, n'hésitez pas à venir vous connecter. Bonne nuit Ludo, merci d'être venu. C'est pas Laguna Seca, hein, le TCR. Laguna Seca, c'est demain avec l'Alpha 155. Le TCR, c'est sur Road America. Et j'espère aussi qu'il y aura du monde. J'y crois pas trop. Et j'ai dit que de toute façon, ce serait ma dernière tentative sur Assetto Corsa en cas d'échec. Voilà. Hey, ça va toi là-haut? Tranquille? Je vous laisse en vous souhaitant une bonne fin de soirée et une bonne nuit. Bonne nuit à toi également, Néo. Merci d'être venu. Papa Schultz, c'est à 21h45. C'est un petit peu tard, mais ouais, 21h45. Donc le live démarrera à 21h30. Et le début de la course à 21h45. Enfin, début des hostilités. 15 minutes d'essai, 15 minutes de qualif. Et 40 minutes de course. Bonne nuit, Gary. Un kart 250, ce serait bien. Ouais, carrément. Il y a pas de souci, Sid Normand. Il y a plus d'autres candidats. Donc, vous pouvez venir, les amis. Faites-vous plaisir. Même si vous avez déjà roulé, vous pouvez revenir. T'en prends de la place, toi, là-haut, hein. Dimanche, hein. Dimanche prochain, Assetto Corsa, TCR, Road America. Demain, Gran Turismo 7, Alpha 155, Laguna Seca. Bonne soirée, Zen 44. Non, mais là, tu prends trop de place, toi, là. Ça commence à bien faire.
C'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde à jouer, oui, il n'y a pas beaucoup de monde à jouer, mais c'est pas grave, comme ça vous pouvez plus rouler. D'origine au moteur. Alors, prépa autorisé, mais pas de swap. Et pas de nitro, bien sûr. Donc, prépa autorisé, réglage ouvert, pas de swap. Je compte sur vous, de toute façon, ça se verra. Et puis voilà, quoi. Allez, donc il est 22h06, on lance la course à 22h15, ce qui vous laisse 8 minutes pour vous qualifier décemment. Faites-vous plaisir. Allez, on remet. Hop là. Allez, donc on a Matteo Carsdraw, Sebel, le yo-yo, ce qui va beaucoup yo-yoter le yo-yo. Ah, pas mal quand même. Diff-Diff est là également. Pour une fois que ça marche pour lui. Que veut dire TCR? C'est Touring Car Racing, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est des compacts. C'est des compacts, donc 308, Golf GTI. Qu'est-ce qu'il y a? Cupra Leon. Audi RS3. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hyundai i30. Alpha 100. Alpha, je sais plus combien. Enfin bref, que des petites compacts comme ça qui sont super fun à conduire. Bonne nuit, Hyperion. On fait comment si on veut rejoindre? D'abord te demander en ami sur la plaie. Tout à fait. Et ensuite, je te valide ça. Et puis, tu peux venir. D'ailleurs, je vais regarder s'il n'y a pas des demandes. Est-ce qu'il y a des demandes? Ouais, il y a des demandes, je valide. Tac. Et voilà. Merci pour le like, Hyperion. Bonne soirée. Ça veut dire quoi la flèche avec le 3,5 mètres seconde sous la map? C'est la vitesse du vent. Ce qui ne sert absolument à rien d'ailleurs, mais c'est la vitesse du vent quand même. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de noter que pour la météo, les nuages ne vont jamais dans le sens du vent. Ça, c'est balèze aussi. La météo, selon Gran Turismo. Alors, il y a de l'Alfa Mito, oui. Ah, c'est l'Alfa Mito, voilà. Civic, oui. Je suis pas sûr. Attends, je vais vous redire vite fait. Je vais vous dire vite fait les voitures qu'il y a. Je regarde ça de suite. Alors après, ceux qui veulent s'entraîner, déjà, le circuit est déjà ouvert. Hein. Le circuit est déjà ouvert, donc vous pouvez déjà choisir votre voiture et puis venir vous entraîner. Donc la course, la course, la course, la course. Donc on a Audi RS3, Honda Civic Type R, Hyundai i30, Peugeot 308, Cupra TCR, Cupra Leon, pardon, et Golf GTI. Voilà. Vous savez tout. Attention pour la course en Lancia Delta, c'est bien un swap dispo pour elle. Oui, bah le swap sera interdit et de toute façon il sera vite visible, hein. C'est-à-dire que celui qui aura mis un moteur, enfin qui aura swappé son moteur, bah il fera la course, mais sans faire la course parce qu'on n'en tiendra pas compte. Ouais, TCR c'est Touring Car, mais Championship? Pourquoi ça, pourquoi R alors? La météo OSEF. Ah, elle est bonne, MacWest. Je valide. Je valide.
Allez, il reste 4 minutes de qualif. C'est Sebel qui a la pole provisoire. Il est suivi par Matteo Carsdro. Matteo Carsdro qui va essayer d'améliorer. Il est à la spi sur le yo-yo, ça pourra lui servir. Mais non, ça n'a pas suffi. 237 millièmes d'écart. Sgeg diabétique en P3 pour 77 millièmes. Pierre Béarn en P4. Traction en 2,5 litres maxi. Merci pour la précision, je ne l'avais pas. Gilles en P5. Séphironin en P6. Sébastien Vettel en 7e place. Le yo-yo en 8e. Oh, ça lag pour le yo-yo. Oh là là là. Furioso. Qui lag aussi d'ailleurs. Hein. Plumette en P10. Div en 11e place. Et Astro qui ferme la marche, le petit robot. En 12e donc. Allez, il reste 3 minutes de qualif. Sgeg diabétique a pris la pole provisoire. Est-ce qu'on peut... TCR, c'est comme le WTCC, en gros. Ouais, c'est pas loin, ouais. Ah, ça y est, ça marche, enfin. Ah, bah, c'est pas trop tôt. Regardez le lag. Le lag de yo-yo. C'est un truc de fou. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible de voir ça. Là, on se demande vraiment ce que fout... ce que fout Polyphony, quoi. C'est juste insensé. Le pire, c'est qu'ils sont au courant du problème, quoi. Ils le savent. Sgeg diabétique donc en pôle provisoire en 58-8. Séphironin qui a pris la P2. Attention aux pots de banane et aux carapaces. Tu m'étonnes. Allez, encore une minute de qualif. Nips, tu n'as rien raté, rassure-toi. Enfin, tu as raté des courses, mais... pas d'événement majeur. Si, les lags de yo-yo, tu as raté. Allez. On va sortir de là, on va bientôt lancer la course. 22h15. Allez, c'est parti. Touring Car Racing, ouais, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, ouais. Franchise de championnat organisée en Europe et en Asie. Des compacts de route, tout à fait. Bah aux US aussi, hein, parce qu'il, enfin, il y a des circuits américains, donc... Allez, donc Sgeg Diabétique, Séphironin, Sebel, Matteo, Pierre Béarn, Gilles, Sébastien Vettel et Yo-Yo. Oh, et c'est Sebel qui fait un beau départ, hein, mais ça ne concrétise pas. Ah, il a surgi nulle part, Sebel. Séphironin a bien réagi. Sgeg Diabétique, donc, qui a gardé sa première place. Et derrière, donc, Séphironin et Sebel qui se tirent la bourre. Séphironin
Salut Franck! Et Gilles qui prend la P4. Non, ça passe pas. Sebel qui décroise. Sébastien Vettel qui s'est emparé de la troisième position. Une belle bagarre ici entre Gilles et Sebel. Attention, voilà. Sebel qui se retrouve maintenant en septième position. Alors que derrière, ça bouge un petit peu. Oh là là, les lags, attends, je veux. Et non, je peux encore plus changer de caméra, mais c'est dingue ça. Jeu de merde. Vous savez que j'y joue quasiment plus, moi. À titre perso, j'y joue quasiment plus. Je sors Gran Turismo pour faire les vidéos, c'est tout. Parce qu'on me le demande. Mais sinon, je n'y joue quasiment plus. Et puis pour les lives, bien sûr. Ah, moi, à conduire, j'aime bien le TCR, c'est super fun. Oh là là, les lags de Furioso, mais c'est un truc de fou. Allez, on a une petite bagarre juste devant Matteo Carsdro et Furioso. Oh là 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 là, Matteo qui n'arrive pas à se débarrasser de Furioso qui lague à mort. J'imagine le désarroi de Matteo pour réussir à passer Furioso. Derrière, donc Sebel qui essaye de remonter, il va se heurter également à Furioso. Alors bien entendu. Oh, puis alors là, maintenant, il a non seulement Furioso, mais il a aussi le yo-yo à passer. Allez, on va revenir un petit peu sur la tête de course avec Gilles à moins d'une seconde derrière Sébastien Vettel pour le gain de la P3. Et devant, on a une petite bague. Allez, Zgeg qui s'avoue pas vaincu. Zgeg à l'intérieur. Ça passe. On a une belle bagarre ici entre Sefironin et Zgeg. 58-136 pour Zgeg. Il a mieux tourné qu'en qualif. Alors que là, ils se touchent les deux. Et toujours pas de caméra embarquée. C'est quand même dingue. Zgeg toujours en P1. Sefironin à 3 dixièmes derrière. C'est très très serré. Je te valide ça derrière. Et voilà. C'est validé. Oh là là. Ça a failli mal tourner. Esgag qui se retrouve dans l'herbe. Il va devoir remonter maintenant. Il va devoir refaire une seconde deux. Alors ça c'est pareil. Hein. C'est panache de fumée. Là c'est vraiment du gros bug. Complètement incompréhensible. Esgag qui se retrouve du coup à 2 secondes 2 derrière Sefironin. Et derrière on a une bagarre entre Sébastien Vettel et Gilles.
C'est très serré ici entre Gilles et Sébastien Vettel. Alors que devant Sefironin s'envole un petit peu hein, devant Sgeg Diabétique. Sgeg Diabétique qui prend une seconde de pénalité. J'ai pas vu où est-ce qu'il a coupé personnellement. Allez, derrière le yo-yo qui est isolé en P5. Furioso à 6 secondes derrière le yo-yo et à 2 secondes devant Matteo Carsdro. Il y a un ingénieur réseau qui dit que le problème de lag de GT est complexe parce qu'il y a plusieurs méthodes de connexion à des selfies 4G, 5G, 5G satellitaires, ceux qui sont Wi-Fi, câblés, plus les cross-gen. Ouais, mais ça, moi, je veux pas le savoir. Ça, je veux pas le savoir. Tu regardes sur tous les autres jeux, ça marche. Donc, il n'y a pas de raison que ça marche pas sur GT. Je veux dire, GT, c'est pas le seul jeu qui est dans ces conditions-là. Donc à partir de ce moment-là, si ça marche sur d'autres jeux, ça devrait marcher sur GT. Sur F1 2022, ils vont même aller encore plus loin parce que le jeu va être cross-platform. Donc c'est-à-dire que non seulement il est déjà cross-gen, mais en plus il va être cross-platform. C'est balèze quoi. Et le jeu ne lag pas comme ça. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Allez, Astro en P8. On retrouve Sebel en P9. Diff tout seul en P10. Plumette en P11. Qui ferme la marche. Allez, on se retrouve donc Sefironin. Qui se retrouve avec 5 secondes 5 après la pénalité de Sgeg Diabétique. Sgeg Diabétique qui du coup a perdu sa P3. Au profit de Sébastien Vettel, mais il est reparti à l'attaque. Est-ce que Sébastien Vettel va tenir sous la pression? Derrière, on a Gilles en observateur, prêt à profiter de la situation en cas de sortie de piste de l'un des deux. Bresco là. Mercredi c'est sur Tsukuba la rediff comme d'hab. Tout à fait ouais. Comme d'habitude sur Tsukuba, un tour pas trop vite histoire qu'on ait le temps de voir la voiture. Et puis voilà, et puis si possible en pleine journée, hein, éviter les couchers de soleil parce que coucher de soleil on voit rien donc c'est dommage. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. J'avais raison. Oh là là, Gilles, c'est pas propre ce que tu viens de faire là. Ce serait bien de rendre la place là pour le coup, Gilles. Et c'est Sefironin donc qui a terminé en P1. Et oui, déjà, c'est passé vite. TRC Gilles en P2, Sébastien Vettel en 3, Sgeg Diabétique en 4, le yo-yo en 5e place, suivi par Matteo Carsdro, Furioso en 7e place, suivi par Sebel, Astro, Diff et Plumette. Donc ouais, le dépassement de Gilles à l'avant-dernier virage était un petit peu limite quand même. Ça aurait mérité de laisser la place. Ça aurait mérité de laisser la place. ACC ne se risque pas au cross-gen, mais espérons que Polyphony trouve la solution et qu'il communique à ce sujet. Bah, ACC, ils ont compris, au moins ils ont dit, voilà, pas de cross-gen. Comme ça, au moins c'est réglé. Et puis surtout, bah, ce qu'il y a, c'est que tu as 30 voitures possibles sur PS5 et seulement 20, je crois, ou 24. Sur PS4. Donc
Déjà là, ça crée un conflit, quoi. J'ai mes fils qui jouent ensemble sur différents jeux dans la même app, donc un sur PC et l'autre sur PS4 sans problème. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, tu regardes des jeux comme Genshin Impact, par exemple, qui sont crossplay et cross-gen, et ça pose aucun souci. Ou Fortnite? Pas moyen de trouver le salon. Ah, il était peut-être plein. Ah oui, il était plein. Donc j'invite tout le monde à quitter le salon, s'il vous plaît. Ah bah Vettel se laissait pas doubler. Bah évidemment qu'il se laissait pas doubler. Il défend sa place, Sébastien Vettel, c'est normal. Vettel a défoncé tout le monde. Non, là, je te trouve dur, Pierre. Non, non, là, je te trouve dur quand même, Pierre. Il y a peut-être eu un fait de course entre vous, mais dire qu'il a sorti tout le monde, non, non. Là, faut pas exagérer, je pense pas. Enfin, bon, c'est pas grave, hein, on va pas non plus en chier une pendule, hein. C'est pas grave non plus. Allez, donc, ceux qui veulent revenir rouler... Ouais, j'ai un écran noir, là. Pourquoi j'ai un écran noir? Un bug! Oh, un bug! Ah bah tiens. Alors on va. Je vais juste éditer les paramètres de l'événement. Heure du jour, après-midi. On va se mettre en fin de matinée pour voir si ça change quelque chose. Non, bah, je suis désolé, mais je dois kill le salon parce qu'il a planté, saloperie de jeu de merde. Et ce sera la dernière de toute façon. Hein. Donc, bonne soirée, Pierre. Sois pas fâché, c'est pas grave. Je crois que mon jeu a vraiment planté en fait. Oh putain, deux jeux de merde, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Allez, on recommence. Ouais, franchement, il y a plus grave que l'effet de course. Hein. Il y a ces bugs de merde. Hein. Franchement. Ah. Vous trouvez ça normal, vous, ça, là? Hein? 70 balles. 70 balles, Polyphonie, putain de bordel de merde. Bonne soirée, Mathéo. Bon, allez, on arrête de refaire la course, là, dans le chat. Si vous avez des griefs, vous envoyez un message privé aux personnes concernées, s'il vous plaît. Mais vous arrêtez de pourrir l'ambiance dans le chat, hein. Ça commence à bien faire, maintenant. Je vais me fâcher. Pour les sous-bocs, puis-je te payer en liquide par la poste? Moi, ça me dérange pas, mais ce qu'il y a, c'est que tu as envoyé du liquide par la poste. En principe, déjà, c'est interdit.
Moi, ça me dérange pas outre mesure, mais enfin, fais comme tu le sens, quoi. Je te donnerai mon adresse si tu veux. T'auras qu'à m'envoyer un message sur Discord. Mais ce qu'il y a, c'est que je voudrais pas que ça se perde, quoi. Oh. Bon, allez, on arrête de parler de cette course de merde. Voilà. Hein? D'abord, ça a buggé, alors. Allez, on arrête de parler de cette course. Et on parle de la prochaine. Qui sera très bien. Elle sera très très bien même. Parce qu'elle sera sur Tsukuba. Parce qu'il y aura 10 tours. Parce que il y aura une force d'aspiration réaliste. Il y aura une réduction de l'adhérence hors piste réaliste. Un délai de fin de course de 90 secondes. Il y aura également utilisation de cartes. Parce que j'ai décidé. Voilà. Avec des pénalités de raccourci fortes. Avec des pénalités de collision voiture. Parce que je le vaux bien. D'abord. Ouais, les sous-bocs, ils sont pas mal. Ouais, j'avoue. J'avoue. Là, j'en ai fait des nouveaux, là. J'ai une R32 et une 205 GTI qui sont assez sympas. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un bébé dans une poubelle? Un bébé dans deux poubelles. Qu'est-ce qu'il y a de pire que deux bébés dans deux poubelles? Deux bébés dans trois poubelles. C'est dégueu. là, je veux dire. C'est honteux! Voilà. Allez, vous pouvez revenir, les amis. Gravure sur coque de téléphone. Ça doit pouvoir se faire. Ça dépend de la coque, en fait. Ça dépend de la coque. Le problème, c'est que il me faudrait un bout de la même matière pour pouvoir tester. Parce que bah, le plastique sous le laser, ça fond. Donc faut vraiment y aller ultra mollo sur la puissance du laser, c'est vraiment pas évident. Allez, viens dès les amis, on en fait une petite dernière. Il est 22h34, je lance la course à 22h45. Allez, 22h45, on lance la course. Alors, je ne sais pas qui je vois de là-haut sur la piste, mais ça lag encore pas mal. Hein. Bonne soirée Gigi. À bientôt pour la course, il n'y a pas de souci. Allez, faites-vous plaisir, les amis. Ah, si tu me les prends par-ci, je te fais les 6 à 30 balles. Ça t'en fait un gratos, quoi. Le lot de 6 à 30 balles. Voilà. Et puis 4 euros de frais de port. Ça dépend du modèle de laser. Bah oui, bien sûr. Mais là, le laser, il fait du plastique sans problème. Mais moi, je me méfie avec le plastique parce que t'as les plastiques qui sont super tendres, d'autres qui sont beaucoup plus durs. Donc, à voir quoi. Je viens de sortir dehors pour me cueillir des myrtilles. À peine j'ai mis un pied dans les herbes qu'en un quart de seconde, j'avais 40 000 fourmis qui m'attaquaient les jambes. Je préfère regarder à la dernière avec plaisir. Encore des bonus. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout. Alors, en même temps, je dis on s'en fout, mais c'est moi qui dis c'était pas bien. Non, mais on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout.
Hey, si c'est moi qui dis on s'en fout, c'est qu'on s'en fout. Ce sera une course en petit comité alors? Ce sera une course en comité restreint? Non. Allez, viens dès. Ah oui, je peux faire le Stig sans problème. Ah oui, je peux faire le Stig. Ça, y a pas de souci. En fait, pour vous montrer, hein, attends 2 secondes. Juste, je vais changer d'écran, histoire de vous montrer ça. Voilà, donc ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, on peut partant de là, on peut tout faire quoi. Le vernis n'est pas tout à fait sec. C'est sympa d'avoir plein de fourmis, de voir les jambes devenir noires. T'as repris des couleurs. Allez. Mais venez, venez, venez les petits. Venez les petits. Allez, tiens. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, il y a de la place, hein. Faites-vous plaisir. Un petit coup de Bresco là. Mais t'as fini, toi, de me pousser là, la tête, hein? Oh. Ou alors c'est parce que tu vois pas la télé, c'est ça? Un Stig avec Shelby et Motor Seb. Ah ouais, mais là, il faudrait pouvoir me prendre en photo avec Shelby et le Stig. Hein? Là, je me débrouille en montage vidéo, mais à ce point-là, peut-être pas, quoi. Pendant la course, j'ai entendu un swap sur le kart, mais on peut mettre un autre moteur. Non, non, pas sur le kart, on peut pas. On peut pas, mais ce serait rigolo. J'aime les chats, ils sont trop drôles ceux-là. Alors lui, il est drôle. Bah, par contre, des fois, il est chiant. Hein? Hein, t'es chiant. Bah ouais. Et la ronron, et la ronron, et ouais. Allez, donc encore 5 minutes de qualif, les amis. Pour l'instant, le Cid Normand en première position, suivi par Sefironin. Le Yoyo est en P3. Salut Alidini. Sgeg Diabétique en P4, suivi par Plumette. Darera, Furioso, Mjojo. Et Oralbam, ah ça fait plaisir, tiens. Ah, un check, d'accord. Un check, c'est un check, c'est jouable. Ça, y a pas de problème. Et si vous voulez, je peux mettre des prénoms aussi hein, dessus. Ou si vous voulez faire des petits trucs personnalisés ou des petits messages ou des trucs comme ça, je peux faire aussi, hein. Y a pas de problème. Si vous voulez faire des petits cadeaux, des trucs comme ça. Oh, la livrée écossaise, là, un petit peu tweed. C'est marrant. Sympa. Seb, si tu veux faire du AC sur PC, pas de souci. Mais pas avant 2 semaines. Je pars en vacances fin de semaine. Vise une course monomodèle genre Porsche Cup et je suis de la partie. Bah écoute, on verra dimanche comment ça va se goupiller. Déjà. S'il y a encore 2 inscriptions, bah j'arrête d'essayer. Puis à ce moment-là, bah, on se retrouvera sur des courses chez Omed ou ce que tu veux.
Et bah, s'il y a un petit peu plus de monde la semaine prochaine, et bah, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Un chat, une chatte, un chiot, une chiotte. Elle est bonne. Evo XS, salut! J'adore faire les livrées sur GT7. Je passe plus de temps à faire des livrées qu'à rouler. Donc je suis volontaire pour une voiture qui t'intéresse. Auras-tu une voiture qui t'intéresse? Alors, pas spécialement, mais par contre, si tu aimes bien faire des livrées, demain il y a l'expo livrée. Donc, si tu veux participer, il n'y a aucun souci. C'est sur la voiture de ton choix. Tu fais ta livrée. Tu vas ensuite sur le circuit de Tsukuba que tu vois là. Tu fais un tour à allure modérée, tu enregistres le replay, tu partages le replay avec MotorSeb quelque part dans le titre, et puis c'est validé, et puis on voit tout ça en live demain soir. Voilà. Un kart en bois parce que je suis un pilote en carton. Oh, joli. Je valide. Je pourrais pas demain et mercredi parce que je prends le bateau. Ah oui, je disais demain pour les livrer. Non, après-demain, je me croyais mardi déjà, moi. Non, après-demain les livrer, donc. Demain soir, c'est Alpha 155 sur Laguna Seca. Mercredi livré, oui, tout à fait. Hein. Oui. My bad, comme je disais, je me croyais mardi, moi. Allez, Rennes 14 972 en P11. Kaiser JV2, Kaiser, Kiese, tu me diras comment ça se prononce. La JV2 en force ce soir. Deux pilotes JV2. Trois pilotes JV2 pour cette course-là. Pas mal. Allez, Sefironin en P1, Sgeg Diabétique en P2, Cid Normand en P3. Le schéma se répète. Mais t'as fini, toi? Oh! Allez, on va sortir de là et on va pouvoir lancer la course. Mais arrête! Fini. Bah Allez, on lance la course, c'est parti. Ah, c'est bien, hein, maintenant Dame SNCF n'intervient plus pour les départs de course. Hein. Faire un track day avec vous, honnêtement, j'aimerais bien, mais ce qu'il y a, c'est que quand je roule, j'arrive pas à animer le live. Alors, si c'est pour que les spectateurs se fassent chier, moi, ça m'embête, quoi. C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Un jour, il s'assoit et il meurt. Ouais, alors celle-là, ouais, effectivement, elle est vraiment nulle. Allez, Sefironin, Sgeg Diabétique, Cid Normand, le yo-yo Darrera, Rennes, Kaiser, Plumette. Et Sefironin qui conserve la P1. Sgeg Diabétique, Cid Normand qui se rate au profit de Yo-Yo. Dimanche, je suis pas là, mais t'inquiète, on se capte dans la semaine pour le jeu que tu veux. Pas de soucis, on se capte. Bonne soirée. Bonne soirée à toi, Simba. Merci d'être venu. Ça marche, Simba. Je poste sur GT7 ou sur YouTube. Sur GT directement. Hein. Moi, les replays, je vais les voir directement sur GT. Allez, donc Sefironin toujours en P1, suivi par Sgeg Diabétique et le yo-yo. Et le yo-yo qui est à la bagarre avec Darrera. Est-ce que Darrera va réussir à passer le barrage?
Allez, Darera, toujours à la bagarre. Donc avec le yo-yo, 6 dixièmes d'écart. Pour ton défi de drift, je te conseille plutôt assez tôt. C'est meilleur simu pour le drift. Ouais, je sais, ouais, mais j'ai... En fait, je suis en train de voir un truc là, que, c'est que quand je roule, les vidéos, je les fais pour rien, j'ai l'impression. Quoi. Même les tests de groupe 3, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Quoi. Par contre, quand je parle de ce qui se passe dans les jeux eux-mêmes, donc les news, etc., ça a l'air d'intéresser beaucoup plus les gens. Donc... je ferai peut-être moins de vidéos où je vais rouler, peut-être plus de vidéos où je vais causer. À voir, je ne sais pas encore, mais va peut-être y avoir un petit peu de changement sur la chaîne. Pourquoi les belugas ont du mal à se reproduire? C'est la faute à la corne, non? Allez, plumette derrière. Adrien à la lutte avec Rennes 14, 7 dixième. Ah bah ouais, mais c'est pas moi qui fais les règles sur YouTube, hein, mon cher Rafale. Je le trouve pas beau visuellement assez tôt, mais c'est mon avis perso. Bah ça dépend, c'est bien modé, moi je le trouve plus beau que Gran Turismo. Oh, il n'y a pas assez de belles filles. Oh, elle est belle, elle est belle. Je valide. Rafale est en post-combustion. Allez, Kizer. En P8, Furioso, 9e. À la lutte avec MJojo. La lutte fratricide entre les deux JV2. Ah oui, mais je vais continuer à les faire, hein, Je vais continuer à les faire, les tests de groupe 3, mais j'ai vraiment l'impression de les faire pour une poignée de personnes, quoi. Quand tu vois le boulot que ça demande, ça me fait un peu chier, quoi. Allez, bonne soirée, Simba. Je peux dire une connerie? Tu peux dire une connerie? Tu sais, Rafale, il s'est pas privé jusque-là, donc fais-toi plaisir. Hein. Allez, Aurel Bam derrière, en 12e position. Le pilote en carton sur son carton bois. Et on revient donc avec Séphironin et Sgeg Diabétique. À la lutte tous les deux, Sgeg Diabétique qui va prendre une pénalité sans doute. S'il allait tondre la pelouse et pas qu'un peu. Non, il s'est puni tout seul, pas de pénalité pour Sgeg Diabétique. Et derrière le yo-yo, toujours à la bagarre avec Darera pour le gain de la P3. Les tests en groupe 3 sont intrusifs, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles intrusif? Je m'introduis nulle part, moi. En France, on a l'abbé Pierre. En Portugal, ils ont la bétonnière. Pff, c'est nul. Tous les tests que tu as en groupe 3, je les regarde, je les apprécie. Ben merci, en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, cacao, je veux... Ah, instructif. Oui, non, mais comme je disais, hein, je vais pas les arrêter. Hein. Je vais pas les arrêter. Bon, par contre, faut que je les rachète, quoi. Là, j'ai plus de sous. Plus de sous. Quelle est la différence entre la gastro et la voiture électrique? Je sais pas, le temps de charge. J'en sais rien, j'ai une connerie, quoi. Allez, Séphironin et Sgeg Diabétique. 1 seconde 7. Entre le yo-yo et Darera, 8 dixièmes. Derrière, Plumette, 8 secondes. 2 secondes derrière... Raon 14.
le Cid Normand en 7ème à 5 secondes 2. M Jojo à 3 secondes 5 est toujours. Alors on a une belle petite bagarre là. Entre. Voilà. Furioso, Adrien. Et Kizer. Kizer. Je suis désolé hein, si j'écorche. Ben, tu l'as déjà. Tu l'as déjà raconté, Rafale. Tu l'as raconté deux fois, c'est toi qui es sous ou quoi? C'est moi qui bois, c'est toi qui es bourré. Mais oui, je l'arrive à la lire ta blague. Dans un bar, un mec un peu chaud demande, je peux avoir un gros verre de whisky. Il le reçoit et boit, et il dit un peu sous, je peux avoir un petit verre d'un alcool très fort. Il obtient son verre, le boit et demande encore vraiment sous, je peux avoir un micro verre de l'alcool le plus fort du monde. Il le boit et puis il dit, bizarre, moins je bois, plus je suis sous. Ah oui, d'accord. Ah oui, alors attends, je la refais celle-là. Quelle est la différence entre la gastro et la voiture électrique? Il n'y a pas de différence dans les deux cas, t'es content quand t'arrives à la maison. Elle est très bonne, elle est très bonne. Elle est très très bonne. Je valide. Allez, derrière, donc on a Adrien qui vient de passer, mais ça décroise hein, pour Kizer. Et donc derrière, Orelbam qui est loin, loin, loin derrière. En mode pépouze. Kizer. Ah, Kizer, d'accord. Ça s'écrit pas comme ça. Allez, on revient avec la tête de course. Sephironin, 5 secondes 7. Sgeg diabétique qui a dû se rater, je pense. T'as fini, toi. Neuvième tour, donc, pour la tête de course. Et c'est Sephironin, Sgeg diabétique, le yo-yo. Je connais pas la blague du chauffeur de bus, non. Un ivre se promène dans la rue, il voit une femme et lui dit, madame, vous êtes moche. Et vous, vous êtes ivre, peut-être, mais moi demain ce sera plus le cas. Elle est pas mal celle-là. Tu connais la blague du chauffeur du bus? Non, moi non plus, j'étais l'arrière du bus. Oh putain, les vieilles blagues de tonton, quoi. Excellent. Allez, c'est Sephironin qui va attaquer son dernier virage. Et qui va remporter une nouvelle victoire. Donc, nouvelle victoire pour Sephironin. Suivi par Sgeg diabétique qui fait un nouveau podium. Derrière, on va retrouver le yo-yo d'Arera en P4. Plumette en 5e position. Le Cid Normand en P6. Kizer en P7. Et M Jojo dans sa roue. Furioso en P9, Raan P10, Orelbam en 11e position et Adrien en P12. Bravo à tous. Oh tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Hop là. Comment? Oh non, attends, je l'avais pas vu, j'avais pas vu, je l'enlève parce que tu m'en veux pas, hein, tu m'en veux pas, mais bon, on va essayer de rester un minimum politiquement correct.
Deux mecs bourrés discutent en fumant leur cigarette devant un bar. À ton avis, qu'est-ce qui est plus proche de nous, la Lune ou l'Amérique? Bah la Lune, mec, t'es sûr? Bah ouais, l'Amérique, on la voit pas d'ici. Ah oui! Très bien, très bien. Génial. Hier, un employé d'EDF me demande l'heure, je lui ai répondu, il est entre 10h et 19h. Bon, on va s'arrêter là parce que sinon on va y passer la nuit. En tout cas, bah merci à tous, comme d'habitude. Un gros merci à tous, pour cette bonne soirée, même si on n'était pas très nombreux. Ça fait extrêmement plaisir. Merci aux nouveaux abonnés que j'ai vus. Hein, j'ai vu, il y a eu des nouveaux abonnés, ça fait vachement plaisir là aussi. Bienvenue parmi nous. Et donc merci à tous ceux qui ont participé ce soir. Si la chaîne existe, c'est aussi grâce à vous. Rappelez-vous, donc demain soir, on est en Alpha 155 V6 Ti, préparation autorisée, swap interdit, mais je crois pas qu'il y ait de moteur pour cette Alpha 155 de toute façon. Donc on sera sur une course d'une demi-heure, conso pneu x10, conso carbu x6. Et bah j'espère qu'il y aura du monde. Voilà. Donc rendez-vous à 21h demain soir. Shelby sera de la partie, bien sûr. Hein? Bah ouais. Je vous souhaite à toutes et à tous. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des dames ou des filles ou des jeunes filles ou des mamies aussi qui nous regardent. Donc, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci encore d'être venus. Demain, on va parler de iRacing. Eh ouais, on va parler de iRacing. Vous avez bien entendu. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au volant. Kenavo!